Donc aujourd'hui, on va parler de saines habitudes de vie parce que c'est vraiment quelque chose qui est sur mon cœur. C'est quelque chose que je veux qu'il soit central sur la page de Boréal Essence parce que ce que je souhaite, c'est vous inspirer à changer une petite chose dans votre quotidien plutôt que de faire une fois un gros changement. On sait que ce qui a le plus d'impact, c'est les petites habitudes que l'on va incorporer à notre vie à tous les jours. Et je suis personnellement engagée dans cette démarche-là aussi à améliorer ma santé, mon bien-être sur tous les plans. Et ensuite, j'espère créer un effet boule de neige et vous inspirer aussi à changer quelque chose dans vos habitudes. Que ce soit de boire plus d'eau, que ce soit d'aller au soleil plus souvent, que ce soit d'aller prendre une belle marche, incorporer vos huiles essentielles pour vous supporter dans vos belles décisions, dans votre bien-être. C'est vraiment l'objectif de cette page qui est Boréal Essence et finalement de ma mission comme business. Donc aujourd'hui, on va revoir l'ensemble des saines habitudes de vie parce que je vais vous lancer une invitation à vous joindre à moi le 8 mai prochain à Lévis, au Sheraton de Lévis. On attend des centaines de personnes et j'ai eu l'honneur et le privilège, on m'a offert de présenter devant les gens lors de cette soirée-là cette tournée saines habitudes de vie, de présenter vraiment la pyramide de la santé, l'ensemble des saines habitudes de vie, mais surtout, j'espère encore une fois, inspirer les gens à adopter pour vrai, là, pour de vrai, dans leur quotidien, des belles habitudes qui vont faire en sorte qu'on va être des humains plus épanouis, mieux dans notre peau, en meilleure santé, et qu'on va rajouter de la vie à nos années, plutôt que des années à notre vie. Ça, c'est une citation que j'ai entendue souvent, mais je ne connais pas l'auteur. Si quelqu'un connaît l'auteur, vous l'écrirez en dessous de la capsule d'aujourd'hui. Donc, on veut vraiment ajouter de la vie, de la vitalité à notre vie, plutôt que d'ajouter des années à notre vie en mauvaise santé, tout gris et pas de bonne humeur. Donc, la vitalité, ça fait partie vraiment, je pense, d'un style de vie qui est possible de vivre. On peut vivre dans la joie, dans la bonne humeur, se sentir en forme et en santé, peu importe notre âge, alors qu'on investit à tous les jours dans notre santé. J'ai besoin de m'améliorer sur ce plan-là. Je suis certaine qu'il y a des choses que vous avez à améliorer sur ce plan-là aussi. Donc, encourageons-nous ensemble, créons un effet boule de neige, encourageons quelqu'un à côté de nous, quelqu'un dans notre famille, quelqu'un qu'on aime, à intégrer des belles habitudes pour améliorer son bien-être. Alors, première chose à faire lorsqu'on se lève le matin. Je vous présente vraiment l'ensemble de saines habitudes parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais doTERRA, ce n'est pas seulement que des huiles essentielles. C'est véritablement de créer un mouvement au niveau de nos saines habitudes de vie. Donc, première chose en se levant le matin, une belle façon de démarrer la journée, ce serait d'utiliser la merveilleuse huile essentielle Balance. Donc, c'est une synergie qui vient vraiment nous aider au niveau du côté psycho-émotif, donc se lever de bonne humeur. On va prendre une goutte sur la main et on peut la frotter sous nos pieds en sortant du lit. Donc, une super belle habitude à incorporer, c'est pas compliqué, puis vous allez voir que ça fait un bien profond. Dans cette synergie-là, il y a entre autres de l'encens, des camomilles, de la tanaisie bleue, donc vraiment des belles huiles très très calmantes, et on a même de l'épinette noire de chez Bougamo à l'intérieur de cette belle synergie-là. Très belle habitude pour commencer la journée. Ensuite de ça, on choisit un agrume. Ici, j'ai le citron qui est fantastique, nos beaux citrons de Sicile, produits par une famille depuis 5 générations dans le sud de l'Italie. Ce sont des citrons fantastiques. Si vous avez eu l'opportunité de sentir l'huile essentielle de citron de doTERRA, elle est tout simplement fantastique. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une ou deux gouttes dans un verre d'eau et on commence la journée en s'hydratant vraiment profondément. Si vous voulez avoir une texture parfaitement mélangée à votre eau, vous pouvez ajouter un petit peu de glycérine végétale. Moi, je le fais pas parce que j'aime toujours garder ça au plus simple possible. Je vous dirais même que mon citron, il traîne sur le comptoir, même si on ne devrait pas normalement le garder à la lumière. On veut protéger nos huiles essentielles de la lumière. Mais comme je le vide très rapidement et que je veux que ça soit facile à attraper, facile à agripper, il est là sur le comptoir et il est prêt à être utilisé. Donc, on commence la journée avec des agrumes. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Premièrement, contrairement au jus de citron, ça ne va pas affecter les mailles de nos dents.
Deuxièmement, c'est beaucoup plus concentré en antioxydants, notamment en D-limonène, qui vient aider notre foie, entre autres, et tous nos organes internes à se détoxifier naturellement. Dans le fond, les huiles essentielles, quand on dit que c'est détox, là, comme le citron, c'est simplement que ça vient supporter le processus naturel détox du corps. Donc, à jeun le matin, on boit notre citron et en plus, on le respire en faisant ça, donc on profite des propriétés vivifiantes, effet bonne humeur le matin. Ensuite de ça, on se prépare un bon déjeuner santé. Donc un déjeuner avec vraiment des belles... On choisit des grains entiers, on va ajouter des fruits. On peut même choisir d'ajouter des légumes. Certains vont commencer avec une belle omelette, des épinards, des tomates, pourquoi pas de l'avocat, une belle tartine à l'avocat. C'est quoi vos idées de déjeuner? Il y en a qui vont aimer beaucoup les gruyots. Moi, personnellement, j'aime énormément prendre le bon pain de ma boulangerie locale, le pain d'exclamation. Je prends soit l'intégrale 9 grains, je vais aller chercher le belge intégral, par exemple, que j'aime énormément, avec des graines de sésame autour. Et je vais mettre un beurre de noix ou encore un beurre d'arachide et ma confiture sans cuisson. Allez voir borealessence.com pour la recette, c'est hyper facile. Donc la confiture sans cuisson qui est plein de bons fruits, des petits fruits rouges avec des graines de chia moulues pour avoir la texture d'une confiture. Avec ça, je vais prendre mes suppléments tous les jours de ma vie. Depuis 2 ans, je prends ici ma petite pochette. En fait, ce sont ce trio-là qui s'achète ensemble véritablement, qui vient compléter mon beau déjeuner santé que je me suis choisi. Donc c'est vraiment des suppléments que l'on prend toujours avec un repas complet. Et comme je dis dans une précédente vidéo, vous irez voir sur YouTube, j'ai fait une vidéo sur strictement sur ces 3 bouteilles-là. Eh bien, c'est sûr et certain qu'on le prend toujours avec un repas complet, café noir n'étant pas un repas complet. Donc j'aime ça le dire parce que c'est véritablement conçu pour être pris avec ce que vous mangez. Il y a des enzymes à l'intérieur qui vont vous aider à dégrader et à bien profiter de tous les nutriments dans votre déjeuner. Il y a également des vitamines de A à Z, des minéraux, tous en version bio disponible. Vous n'allez pas faire pipi fluo, ça se digère bien, rapidement vous avez les bienfaits. Il y a les antioxydants pour vous donner de l'énergie, pour ajouter aussi, dans le fond, supporter votre système immunitaire, ça va supporter la mitochondrie. On a plusieurs adaptogènes à l'intérieur, ceux qui s'y connaissent, c'est très intéressant. Ça va favoriser l'apparence d'une belle peau, la pousse des ongles, la barbe aussi, hein? David qui est derrière la caméra, qui doit se raser plus souvent maintenant. Ça va vraiment faire un teint beaucoup plus lumineux, de la vitalité, le système immunitaire, très intéressant. Moi, c'est mon expérience. Ce que j'ai remarqué le plus vite avec ce trio-là, je vous dirais en dedans d'une semaine, c'est le ventre beaucoup plus plat, comme on digère plus facilement tout ce qu'on mange grâce aux enzymes à l'intérieur, et moins de rage alimentaire parce que j'avais pas besoin d'autres choses pour compléter alors que j'avais tout ce dont j'ai besoin. Je sais, vous allez me dire que vous mangez bien, vous allez me dire que votre alimentation elle est parfaite, mais malgré ça, il faut quand même prendre en compte qu'on va manquer souvent. Dans le fond, le trio de vitamines, c'est le produit le plus vendu chez doTERRA, c'est le numéro 1. C'est pas pour rien, parce qu'il est garanti 30 jours, donc si jamais vous n'étiez pas satisfait, vous pourriez être remboursé au bout de 30 jours. Mais les gens sont satisfaits, ça fonctionne. Donc on a les oméga 3 également, qui vont être super intéressants pour votre système cardiovasculaire. Encore là, pour un certain côté anti-inflammatoire. Donc, si vous avez des irritations sur la peau, de l'acné, ça peut être super intéressant. Et pour l'humeur également, très bon. Donc, vraiment intéressant. Puis à l'intérieur, on a aussi des caroténoïdes et des huiles essentielles, comme le clou de girofle, qui est dans les huiles essentielles les plus antioxydantes. On a du cumin, du gingembre, de la camomille romaine, allemande, excusez-moi, de l'amande poivrée et du thym. C'est en petite quantité, mais très intéressant. On a des lycopènes et ce sont bien sûr des oméga 3 avec des poissons qui sont récoltés de sources durables. Il y a aussi l'option vegan si vous êtes vegan, mais pour ma part je trouve ça important quand même de prendre des oméga 3 de sources marines. On le sait qu'ils sont bien intéressants pour l'humeur. Dans l'ensemble des saines habitudes de vie, vous allez aussi obtenir une bouteille de terazine qui sont des enzymes digestives qui sont juste ici dans ma petite pochette, donc qui vont aussi nous aider à bien digérer notre repas. Ça, c'est dans les habitudes du matin. Ensuite de ça,
on peut, c'est sûr, au cours de la journée, se rajouter un peu de balance aux besoins. J'aime énormément le balance ou l'encens, ou les deux ensemble, au retour du travail. Par exemple, à l'époque où j'allais travailler, j'avais une journée stressante, remplie. Donc, pour faire une coupure, quand j'arrivais à la maison, décrocher, bien de se faire un masque, je vais le faire avec l'encens. Donc, de prendre une goutte d'encens dans la paume de ma main. Mais comme je vous dis, balance et encens ensemble serait fantastique. Et là, on va frotter comme ça et on prend le temps de se faire un beau masque. On respire profondément et là, vous décrochez, c'est garanti. Donc, c'est une très très belle façon de gérer son stress. Parce que dans la pyramide de la santé, une des choses qui est super importante, c'est la gestion du stress. Et souvent, on va dire que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que c'est quand même un bon défi gérer son stress. Mais avec les huiles essentielles, on a vraiment quelque chose de très efficace pour décrocher, pour arriver à la maison. Dans le kit des saines habitudes de vie, il y a également la lavande qui pourrait être intéressante. Donc, pourquoi pas diffuser lavande, balance et encens ensemble dans votre diffuseur. Ou encore, la lavande, on va l'utiliser sous les pieds avant d'aller se coucher. Donc, une très très belle huile essentielle à utiliser à tous les jours. Toutes les choses dont je vous parle aujourd'hui, ce sont des outils puissants à utiliser à tous les jours. Donc, quand vous procurez des produits doTERRA, ceux que j'ai choisi consciemment de distribuer, vu leur qualité et l'éthique qui est derrière ces huiles essentielles-là, eh bien, vous, ce qu'on vous encourage, c'est bien sûr pas à les garder dans une armoire, mais à les garder à la portée de main pour que ça améliore véritablement votre quotidien et votre vie. Ensuite, est-ce qu'il y en a qui ont des défis au niveau du système immunitaire? Donc, ça pourrait être super intéressant d'aller travailler avec l'encens et le On Guard. Donc, on peut se mettre une goutte aussi sous les pieds une fois par jour de On Guard ou d'encens. On va les répéter 3 fois par jour si jamais on sent qu'on combat quelque chose ou qu'on est plus fragile. Donc, les huiles essentielles, c'est très important de toujours les utiliser avec beaucoup de respect. C'est très précieux. Ici, dans une petite bouteille, on a 250 gouttes et on ne devrait jamais utiliser 3-4 gouttes à la fois. On y va pour une goutte ou même moins à la fois. Donc, gardez toujours en tête le principe, on utilise moins en quantité, plus souvent. Donc, c'est beaucoup plus respectueux et du produit trésor de qualité que c'est, et également pour votre corps. Parce que d'en mettre trop, ça pourrait faire l'effet inverse. Vous n'allez pas vous sentir bien, ça ne va pas vous faire du bien. Donc, c'est important de respecter, de l'utiliser en petite quantité. C'est puissant. Dans une seule goutte, il y en a suffisamment pour couvrir toutes les cellules de votre corps. Donc, c'est quand même exceptionnel. Le On Guard, moi, je l'utilise sous les pieds régulièrement. Et je sens vraiment une vague de chaleur à l'intérieur de moi. Donc, un peu comme quand je mange un bouillon avec du gingembre, ça me fait un peu un effet similaire, très très intéressant pour le système immunitaire. Une autre façon quotidienne d'utiliser le On Guard qui est très intéressante, c'est dans une cuillère à soupe d'eau, on va ajouter une goutte de On Guard et on va l'utiliser comme rince-bouche ou encore comme gargarisme pour garder une santé dentaire. Et ça va aider aussi au niveau de l'haleine, c'est sûr et certain. Donc, voilà. Sinon, l'encens, une autre façon que j'aime énormément l'utiliser, c'est une goutte sous la langue régulièrement. C'est pas tout le monde qui va aimer le goût. C'est pour grano averti peut-être, mais pour moi, ça me procure vraiment un grand bien-être. Ça me fait beaucoup de bien. Donc, une très belle utilisation. Finalement, dans l'ensemble des saines habitudes de vie, on a le D-Blue que vous pouvez avoir en huile essentielle ou en pommade. Dans l'ensemble, il arrive en pommade prête à l'emploi. Ça, c'est pour vous supporter dans vos activités sportives. Donc, pour vous encourager à faire du sport à tous les jours, on peut se frictionner avec cette belle pommade-là. C'est le mélange apaisant, ça fait du bien. C'est vraiment fantastique l'odeur. Entre autres avec du thé des bois à l'intérieur, mais aussi avec du ylang-ylang, de la tanaisie bleue, des camomilles également. Donc, ça va vraiment calmer les muscles endoloris. On peut même l'utiliser en prévention avant un effort soutenu. Si vous savez que vous allez faire l'acropole des draveurs, par exemple, et que c'est pas dans vos habitudes de le faire à toutes les semaines, ben pour vous supporter, vous pouvez vous frictionner avant et au retour ensuite. Donc voilà. Fait que si je résume, la pyramide de la santé, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir une bonne alimentation, c'est d'avoir un bon sommeil, donc on va aller s'aider au niveau de notre lavande, par exemple, avec l'encens, avec le balance pour le sommeil. Pour la saine alimentation, on va aller s'aider avec notre trio de multivitamines. Pour la gestion du stress, on va aller s'aider également avec la lavande qui est démontrée pour faire baisser le taux de cortisol dans le sang.
C'est démontré si vous avez une huile essentielle de qualité thérapeutique qui est vraiment approuvée puis testée comme présentant une vraie présence de linalool à l'intérieur. Ensuite de ça, pour la gestion du stress et le meilleur sommeil, comme je vous disais, ça peut être l'encens et le balance, c'est fantastique. C'est aussi d'avoir des soins de santé qui sont préventifs. Récemment, on a une compagnie d'assurance à New York, la Croix-Bleue, qui est très bien connue, qui maintenant rembourse un certain montant d'utilisation des huiles essentielles doTERRA, strictement doTERRA, comme étant reconnue comme médecine préventive, au même titre que d'aller voir un massothérapeute, au même titre que d'aller voir un ostéopathe ou un chiro. Donc, c'est démontré comme étant quelque chose qui peut aider. Si une compagnie d'assurance décide de sortir de l'argent pour rembourser des gens dans leur utilisation de ces produits-là, c'est parce qu'ils sont capables de savoir que c'est un bon investissement pour eux pour ne pas dépenser dans des soins de santé curatifs dans un deuxième temps. Donc, il faut absolument qu'on soit en prévention, qu'on soit informé, allez lire. Prenez le temps de vous acheter un livre de référence de qualité en aromathérapie pour vous référer, aller vous outiller, pour vraiment intégrer tout ça dans votre style de vie de façon sécuritaire et de façon efficace également. Finalement, je suis certaine que j'oublie quelque chose, activité physique. Je vais vous la publier en commentaire, la pyramide de la santé. Allez la voir, elle fait tout son sens, il n'y a rien de bizarre. C'est vraiment quelque chose qu'on sait, que l'on sait, que l'on sait. Mais faisons-le parce qu'on a juste une vie à vivre. Donc investissons dans notre santé physique et prenons le temps de prendre soin de nous. Il y a maintenant 2 ans, à la fin du mois d'avril, ça va faire 2 ans, j'ai choisi de distribuer la qualité doTERRA pour la philosophie notamment préventive, de santé préventive, de reprendre du pouvoir sur notre santé, pour les actions humanitaires, parce que c'est une entreprise humanitaire. Je vous cacherai pas qu'au départ, quand on m'a parlé de doTERRA, j'avais mes réserves, j'avais beaucoup d'a priori. J'étais très très ignorante quant au modèle d'affaires et j'avais vraiment des opinions tranchées sur l'achat local, etc. Mais j'ai pris le temps d'aller faire mes recherches, j'ai pris le temps d'aller m'informer sur cette compagnie-là et réaliser que finalement, si quelqu'un achète de Boréal Essence, c'est tout comme acheter d'un magasin de distribution locale. Et je suis hyper fière de travailler avec doTERRA parce que c'est la meilleure qualité d'huile essentielle que j'ai jamais eue entre les mains. Pourtant, j'en ai eu des très bonnes auparavant. Ça fait longtemps que je suis entourée de belles huiles essentielles, que j'ai ce bonheur-là. Mais je crois vraiment que j'ai choisi la meilleure qualité qui soit. Et c'est ce que je choisis de parler et de distribuer avec beaucoup de fierté. Aussi à cause des initiatives environnementales, produits durables également. Par exemple, je pense à la réserve écologique qui a été créée par doTERRA à Hawaï, que j'aurai probablement le bonheur d'aller voir en janvier prochain, où on peut planter des beaux arbres de bois de santal. Hawaï a été une des zones les plus où il y a eu la plus grande déforestation. Donc doTERRA, dans ses valeurs, dans son ADN, c'est une compagnie qui est là pour améliorer les choses dans le monde, a acheté un immense terrain pour faire un parc écologique et reforester, en tout cas, replanter des arbres en grande quantité, puis ramener la belle biodiversité qui est propre à Hawaï pour ceux qui ont eu le bonheur d'y aller. Ensuite de ça, c'est travailler en partenariat de cœur avec des communautés qui parfois ne sont pas bien reconnues, surtout pas bien payées, n'ont pas accès à l'éducation alors que ce sont des gens qui sont hyper savants sur la production de leur récolte. Je pense au vétiver en Haïti, des familles et des toute une communauté qui ont une expertise dans la production de la meilleure qualité de vétiver. Est-ce qu'on peut leur reconnaître? Est-ce qu'on peut travailler cœur à cœur avec eux et en étant reconnaissant de leur expertise et de tout leur savoir qui nous apporte tellement de bienfaits, en les payant justement, en leur donnant accès à de l'eau potable, bien sûr, à l'éducation, à des soins de santé également. Donc, c'est tout ça, doTERRA. Je suis super fière. Donc, si jamais vous êtes intéressé de vous procurer cet ensemble-là, faites-le en venant à un événement de la tournée des saines habitudes de vie parce que vous allez recevoir en cadeau sur place un 15 ml de Copaiba. Et si c'est votre premier achat à vie, donc vous n'avez jamais été membre doTERRA encore, vous allez recevoir en plus un 15 ml de balance, la synergie que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est tout simplement fantastique, elle sent si bon. Et on est fiers parce que le premier ingrédient est produit par un homme extraordinaire qui produit une qualité exceptionnelle d'épinette noire à Chibougamau. Donc, prenez le temps vraiment de venir à la tournée. Vous avez le 8 mai au Sheraton à Lévis.
ou encore le 30 mai à Boucherville à l'Hôtel Mortagne. Sinon, vous pouvez aller également à Alma, à Rouyn-Noranda et à Matane. Donc, je vous remercie pour votre présence. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!